Et salut tout le monde, c'est Gap35 et on se retrouve donc pour l'épisode 24 de Assassin's Creed 4. Et aujourd'hui, on va faire la mission principale. On fera de l'annexe, il y a beaucoup d'annexes à faire encore et encore. Hein, on est à peu près équivalent dans l'annexe et dans le principal, donc on va avancer un peu le principal pour faire un peu d'annexe dans les prochains épisodes. Donc on va regarder où faut aller. La ville de Kingston qui est quand même assez impressionnante, hein. Il y a beaucoup de choses à voir. Il y a la chasse, il y a une chasse aux Templiers ici. Alors moi la question que je me pose c'est où est la dernière chasse aux Templiers? Dans une des villes par là je pense. Donc ouais. Parce que j'ai l'impression que c'est où il y a des majuscules, ça doit être un peu les capitales. Là c'est Nassau. Là c'est la Havane. Il y avait des chasses aux Templiers dedans, mais on verra. Au pire on verra. Ou si quelqu'un sait, je veux bien qu'il me laisse dans les commentaires. Juste pour savoir, j'irai pas la faire de suite. Et sinon, il y avait quoi d'autre sur la carte? Il y a peut-être un entrepôt à piller. Je sais pas, là c'est quoi? Déplacement rapide. Okay, il y a des capitaines de port. Ouais, il y a un entrepôt. Entrepôt rempli. Bon, on ira le prendre quand on videra Kingston. Il faudra au moins un épisode pour prendre tout ce qu'il y a. J'ai envie de vider ça quand même avec vous. Enfin, de faire. De prendre tous les coffres et tout avec vous. Je prendrai peut-être. J'aurai pas une vidéo quand j'irai chercher les petits coffres, par exemple, dans les petites villes. C'est. Là, on a déjà fait plein, donc je préfère les grosses villes où il y a plus de trucs à faire. Et surtout les chasses aux Templiers. C'est un peu l'annexe, mais c'est bien foutu, donc. C'est très bien foutu. Et sinon, au moment où je vous parle, c'est le 3 et. J'ai déjà vu quelques images de AC5, ça a l'air plutôt classe. C'est la Révolution française et tout. Je ferai sûrement un let's play dessus, hein, comme j'ai dit. Quand j'aurai terminé le 4, je ferai le 5. Je sais pas s'il s'appelle le 5 d'ailleurs. Voilà. T'en veux une autre? Rome flip cette fois. Et où veux-tu que je trouve des œufs frais dans cette maudite ville? Y a rien d'autre que de la pisse et des insectes. On essaie de changer ça. Belle lady, quel est ton joli nom? Anne, quand ils sont à jeun. Traîner quand ils sont raides, mais jamais, Lady. Eh bien, très chère Anne, quel bolos. Oh. J'y crois pas un mot, tu m'entends? C'est un ramassis de mensonges. C'est une ruse pour nous ramollir avant d'attaquer Nassau. Tu verras, tu peux me croire. C'est pas une ruse, Vane. Je l'ai appris de la bouche même d'un gros capitaine des Bermudes. Je te dis que pardon est offert à tout pirate qui en voudra. Ruse ou non, je ne doute pas un instant que les Anglais reviendront à Nassau et armés jusqu'aux dents. Il nous faut un plan. Viens avec nous, Kenway. Tout ça ne présage rien de bon. Ok, on va aller chez Barbe Noire. Oh. On est avec du lourd aujourd'hui. On a la séquence 6. Digne de ce nom, mieux vaut se faire oublier. Ni piraterie, ni violence. Ne faites rien qui puisse agacer le roi. La digestion du roi est le cadet de mes soucis, Ben. Il changera d'avis quand il enverra ses soldats nettoyer cette île de tous les pirates qui l'habitent. Ouvre un peu les yeux. Tu mourrais pour ce cloaque? Oui! C'est notre république! Notre idée! Une terre libre aux mains d'hommes libres, tu te souviens? Peut-être qu'elle n'est pas jolie à voir. Mais Nassau mérite encore qu'on se batte pour elle, non? J'en sais rien, Ed. Comment il regarde, il me dit. Quand je regarde le fruit de nos années de labeur, je ne vois que la maladie, l'oisiveté. Merde, je l'ai poussé. À t'entendre parler, cet endroit n'est pas si différent de Londres, hein? Ça, tu as raison. Si on voit les choses en face. On s'en sort pas si mal ici. Il y a du soleil, du rhum et de quoi prendre du bon temps jusqu'à plus soif. Oui, Nassau est peut-être attirante de loin, mais quand on voit les choses de près, ce n'est qu'une infection qui soulève le cœur. Maladie, ça se guérit, Ben. Il suffit juste d'avoir le bon remède. Mais les morts ne se relèvent jamais. J'arrive pas à croire que de tels mots sortent de ta bouche. Pourquoi ne pas accepter le pardon et en finir? Du calme, tous les deux. Si on reste unis, tout le monde y trouvera son compte. On doit se procurer ses remèdes pour régler notre problème. Mais sans attirer l'attention des Anglais.
Ouais, mais il y a des rats partout là, on peut pas les tuer là. Tiens là. Ouah, ici. Ouah, c'est enfoui dans le sol, je sais pas. Je sais pas que ça vivait dans le sable. On aura tout vu. Je suis prêt à parier que le médecin le plus proche est à La Havane. Mais je compte pas y mettre les pieds. Il va y en avoir dans les galions de la flotte qui a coulé il y a 2 ans. Bien conservé dans des fioles de verre. Il te faudra une cloche à plongeur si tu veux aller aussi profond. Aïe. On n'aura aucun mal à s'en procurer contre de l'or et des marchandises. Voilà un plan qui me convient. Trouvons des remèdes sans causer de troubles. D'accord, Satch? Ça me va, ouais. Je te retrouverai aux épaves dès que tu seras prêt, Kenway. Ça, c'est bien, ça. On va avoir accès à la cloche. Et souviens-toi, Satch. Fais taire tes canons. M'emmerde pas, Ben. Acheter merde. Acheter une cloche à plongeur. J'espère que ça coûte pas très cher. Merde, c'est voilà. Merde, une cloche à plongeur. Je suis pas amélioré des trucs. Bon, on va acheter la cloche à plongeur, hein, vu que ça coûte 5000 quand même. Et voilà, est-ce qu'on peut acheter d'autres trucs? Non. Apparence, tiens, on peut acheter des apparences. J'ai pas trop envie de claquer, hein. Comme je vous l'ai dit, on claquera. On fera un joli bateau qu'on aura à peu près tout. Est-ce que on a projectile de mortier? On va en acheter. Remplir, voilà. Ok, donc c'est bon. Il nous reste 1200 thunes, ça va. On n'a rien à vendre, le sucre. On va vendre le sucre, hein, allez hop. Et le rhum aussi. Le tissu, on va garder. Le métal et le bois également. On va juste voir si... Ah, si on peut améliorer des trucs là. Canon sur pivot. Ah, il est que niveau 2 sur 4. Il y a mieux, il y a mieux. Est-ce qu'il y a entreposage pour mortier? Alléluia. J'achète direct. Le mortier, c'est trop bien. Bon, arpanage, j'ai déjà tout max. Pour l'entreposage, il me reste quoi? Baril 4000, donc ça va. Boulet explosive 4000. Il me reste plus que 8000 pour l'entreposage. Et sinon, pour. Bon, quand même, là, pour pièce de boarding, il nous reste des trucs, hein. On est qu'au niveau 3 sur 7. Ça risque 20 000. Oh, 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 oh. Faut que ça se calme. Hein. 30 000, waouh. Boulet, on en a du taf à faire. Il nous en faut de la thune, hein. Pour ça qu'on va, j'ai pas envie de la dépenser bêtement. On va remplir ça tant qu'on y est, tac, voilà, il nous reste 1700 thunes. Et il nous en faut, je sais pas, encore des milliers. On va devoir sûrement aller là-haut, ou là-haut. Ah d'accord, on a direct les 7 trucs, ok. Maintenant, il va falloir aller dans le bateau, non, même pas, il faut aller où? D'accord, épave. Ici, bon, bah, on va à la première épave. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va aller explorer la première épave. On va essayer de faire un épisode d'une demi-heure et de respecter ça. Parce que. Faut que ce soit. Faut que j'ai pas envie de faire un épisode trop long pour le 24. Et puis après, on verra pour le 25. Normalement, ça fera à peu près pareil aussi. Ok, alors, est-ce que. On a un bateau qui coule juste à côté de nous, c'est super. Ok, c'est à 1 km, c'est parti. Alors, j'espère que le son n'est pas trop fort, que le son est bien. Et que voilà, c'est quoi ça, frégate niveau 40, ok. Ok, donc ça doit être le bateau à barbe noire. Qui a un petit bateau à couler à côté.
On va juste aller dans la direction, sinon on va pas y arriver. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Je vous dis honnêtement, j'ai vu aucune vidéo, parce que j'ai déjà regardé un peu de vidéos sur AC4, j'ai vu aucune vidéo comment on était dedans, donc on était sous l'eau, donc je sais pas du tout comment ça va se passer. Donc voilà, on arrive juste à côté. Putain, un bateau plus casse que le mien, j'y arrive. Que le diable est mon âme, Satch. Quelle ravissante frégate. 32 canons, c'est ça? Après 40, je compte plus. T'es devenu ambitieux, je vois. Alors, t'as trouvé des remèdes dans le coin? Oh, il n'y a malheureusement rien de bon ici. Mais je sais qu'il reste quelques belles épaves qui n'ont été visitées que par les crabes et le corail. Je vais y jeter un œil. Edward? Edward, c'est bien vous? Par le ciel, les Indes occidentales sont vraiment petites. Bonjour, Bonnette. Je suis surpris de te voir ici. J'ai connu Monsieur Satch il y a un mois environ, et il a accepté de me prendre sous son aile pour affronter la mer. Mais je vais devoir m'enhardir avant de devenir un vrai pirate. Bonne chance à toi, alors. Barbe Noire a façonné les meilleurs d'entre nous. Genre les gars, quoi. Donc vous pouvez désormais employer la cloche à plongeur. Elle permet d'accéder à des sites sous-marins spécifiques tels que les épaves et cénotes et de les explorer. Rejoignez-les et maintenez les... Okay. C'est très de la navigation. On va naviguer pendant 20 secondes, même pas. Ça m'a rien. Waouh, swag. On est... Ah d'accord, on descend comme ça, mais... What the fuck, je pense pas. Il est accroché au-dessus, quoi. Normal, il doit pas... Ça doit pas lui faire trop mal, quoi. La pression et tout. Donc on... Ok. Abaissement de la cloche à plongeur. Pour après... Ah oh, putain, j'ai pas le temps de lire. Alors... Notre oxygène ne descend pas. Comment on revient sous la cloche? Ok. Oh, c'est lent. Oh, c'est lent et c'est dur. Hein. Ah d'accord, oui, d'accord. Putain, j'allais dire what the fuck, comment c'est lent. Faut remonter, appuyer sur. D'accord, bon, je découvre un petit peu. Alors, comment on fait pour survivre? Ah d'accord. C'est quoi ça? Interagir. D'accord, donc il y a des tonneaux qui sont remplis de... Je sais pas comment. C'est le swag total. Bon bah on va faire ça tranquillement. Donc il y a un coffre là. Ils sont durs à ouvrir. 300. Ah non, c'est des coffres qu'un normal. Il n'y a pas un fragment d'anubis. Il y a trois fragments, d'accord. On va essayer de les choper. Pas là. Oh, ils vont être simples à choper en fait, les fragments vu qu'on est dans l'eau. Attends, on est profond, on dit rien. Poutre brisée. Nager vers les poutres horizontales pour gagner de la vitesse. Ah, d'accord. Les zones indisponibles, d'accord. On commence à comprendre un petit peu. Ah, oui, il doit y avoir des trucs sous. Ah, oui, ça va se compliquer. Ça, c'est où le coffre? J'ai pas envie de voir ce que ça fait quand on va mourir. J'ai pas envie de mourir, non. On va pas faire les cons. Allez, c'est parti. On va prendre le coffre là-bas. Merde, ok. Donc les méduses épiques. On est d'accord. 900, waouh. C'est plutôt posé. Je crois qu'on va les faire, hein, s'il y a 900 par coffre. Puis les trésors des coffres, ok. On doit trouver normalement 2-3 coffres. Il va y avoir 300, d'accord.
Ah mais je me fais niquer à chaque fois. Putain, ça enlève beaucoup de cœur. Faut faire attention. Oui. Je crois pas qu'il faisait ça dans la vraie vie. Je crois pas. Peut-être. Ouais, plonger aussi profond. Waouh. Bah oui. What the fuck? What? C'est quoi qu'il a récupéré? Ah, oh, il a trouvé une grotte. C'est trop classe. Par contre, ce qui est moins classe, c'est que j'ai plus de... Je peux plus respirer. Oh non, ça va. C'est quoi ça? Ok. C'est très la mort qui m'attend, il n'y a plus rien. Mais what, on est où, bordel? C'est bien fait quand même, hein. C'est abusé, comment c'est bien foutu. J'aime. Bon, il nous reste 3 coffres à trouver. Je crois que j'en ai oublié là-bas. Enfin, dû tous les faire avant de venir ici en fait. Je pense. Mais qu'est-ce que. Pour éviter les obstacles éventuels. Merde. Voilà. Oh, il l'a pris plein de face. C'est pas où faut aller. Mais non. D'accord, donc c'est le swag total. C'est qui ça? Sérieux ça? Are you serious man? Cachez-vous dans les algues ou les épaves. Non mais c'est foutre de... Mais putain, mais je pensais que ça allait être petit en fait, mais en fait c'est énorme. Donc il faut se cacher dans les épaves ou dans les algues. Ah non, j'ai pas oublié de coffre en fait. What, 1000. J'aurais dû le prendre avant parce que maintenant il y a des putain de requins de merde là. D'ailleurs, t'en as un qui va me charger. Non, non. Oh putain, ils font mal. Non, il faut se calmer là. On va se calmer tout de suite, moi je suis pas d'accord. Hein. Non. Ouais, c'est quoi? Il est où le fragment? Toi, t'as les deux qui sont en rouge. Allez, passe par en dessous. Ok, je vais me faire charger. Non, si, peut-être. Il est où ce truc de merde? Oh, y'a pas de cloche, non. Je vais mourir. Vas-y, vite, faut prendre les fragments. Bon, de toute façon, je vais mourir, hein, de toute manière. Hein, on s'en bat les couilles. Ah si, y'a une cloche là-bas. C'est très le manque d'oxygène. Allez, ça va passer, ça va. Non, ça va passer. Ouh, si je réussis. J'ai plus d'oxygène. C'est la mort. Il me reste un coffre à prendre. Allez. Non. Oh non, c'est pas possible. Ah non, mais enfin, t'aurais pu. Pourquoi tu pop? Putain, j'étais devant le coffre quoi. Ça. Heureusement que ce qui est bien avec leur truc, c'est que on revient au point de départ, mais on perd pas tous les coffres qu'on avait pris. Donc c'est plutôt posé. On va reprendre l'air pour. Bah, de toute façon, il n'y a qu'un coffre à prendre, donc je pense que j'aurai largement de temps. Pourquoi j'ai que 4 barres de vie? D'accord, donc dans l'eau, on a que 4 barres de vie. Eh merde. Quoi, quand il me projette contre le truc et tout. Allez, on va dans le truc.
Allez, il y a des bookups quand même. 1000 tout à l'heure. Là, on a combien? Je sais pas combien on a eu, mais on en a eu un. Le coq, la coque d'élite, ok, nickel. On se barre. Maintenez E pour gagner le navire. D'accord, bah c'est nickel. Ahoy! Alors? J'en ai trouvé une caisse cachée sous un banc de requins. Hélas, l'élixir qu'elle contenait est totalement gâté. Par les sept plaies. On va devoir voler ces remèdes. N'oublie pas le pardon, Satch. Faudra agir en finesse. Foutu ornigold, un pirate devrait pas avoir honte de sa vraie nature. Ah, il préfère la prudence au canon. La prudence vaut rien sans charisme. Quand on passe pour un crétin, seuls les crétins obéissent. Mais si tu passes pour le diable, tout le monde se soumet. Et ce diable, c'est toi ? Pour un auditoire. Aïe. Tout n'est que spectacle. Apprends à faire peur à tes proies. Évoque-leur une atrocité. Tout droit sorti d'un cauchemar. Et elles se prosterneront en larmes à tes genoux, prêtes à te servir en priant le Seigneur. Oh mon Dieu! Saisissant. Je te l'avais dit. Si tu découvres un moyen discret d'acquérir des remèdes, dis-le-moi sans tarder. Sinon, j'en fais mon affaire. Éviter les attaques de requins. Mais non, mais c'est du foutage de gueule. Moi, je vais éviter tes attaques de requins. Capitaine, je vois quelque chose dans l'eau. Désolé. Et en fait, tu m'as envoyé un message pour la 1.7 et tout. Donc, je répondais. Bon alors, on devait aller où? J'ai pas trop suivi là. Et voilà, Gab il est perdu. Je sais même pas ce qu'on doit faire. Ah, il y a une baleine blanche. Temps restant 5 heures. Putain, j'ai envie de la faire. Donc, c'est très bien. Mais faut aller où, honnêtement? Ah, d'accord, là-bas. Donc, devant nous, qui t'a dit. Hein? Un assaut? Je sais pas. Sur bâbord, je vois du putain à la dérive, capitaine. On arrête de chanter. Juste envie de voir un truc vite fait. Suite progression. On a fini l'acte 6 du coup. Ah non, putain, merde, on est qu'à 30%. Ah putain, d'accord, on a fait qu'une mémoire. Là où qu'il y a, Edouard et Dewale doivent retrouver Barbe Noire afin de protéger les navires. Guerre britannique, ok. Et on doit aller tout droit, donc je sais pas où c'est. Je sais pas où il est ce Barbe de Noire. De merde, mais pourquoi il n'y a pas le point d'exclamation? C'est là qu'on doit aller? Ça m'étonne. On doit aller tout droit. C'est soit là, soit là. Honnêtement, on va aller là-bas. Je sais pas. Je trouve ça bizarre qu'il y a point. Normalement, il y a le point d'interrogation sur la carte. Et le point d'exclamation, pardon. Je trouve ça bizarre. Donnez de la toile, prenons un peu de vent. Ok.
Aïe, 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 aïe. Allez. Oh putain, là il dirige vers où? Ah d'accord, vers là-bas. Vous savez quoi? Il y a un petit bug, on va direct aller là-bas. On va faire... je suis bien envie de faire cette mémoire et on se laissera, donc ça fera un épisode d'environ 40 minutes, je pense. On va faire cette mémoire et dans le prochain épisode, on essaiera de finir la séquence 6. Et puis après la séquence 6, on fera... comme à mon habitude... 3-4 épisodes d'annexe. On verra. Peut-être 2 ou 3. Je pense qu'il y en a minimum un pour Kingston, un pour un fort, et puis voilà quoi. On va faire ça, je pense. Allez, on lance la mission, c'est parti. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? On vous a attaqué? Ils n'en ont pas eu l'occasion. C'est Barbe Noire qui a frappé le premier. Il a ouvert le feu sur un manoir anglais, cette charogne. Pourquoi elle a fait ça, Ben? Il cherche toujours ses foutus remèdes. Mais si tu veux mon avis, il est devenu fou. T'en fais pas, je vais le ramener. Il se débrouille. Il l'a bien cherché, après tout. Localiser les Queen's Hands Range. C'est parti, waouh, ça a l'air d'être des... Oh putain, sans le méthane. Ça c'est par exemple ça qu'il faudrait que je fasse en... Quand je filme pas là, parce que des trucs à sans le métal quand même, c'est mal pour améliorer le navire. Mais bon, là j'ai pas la thune, donc... quand j'aurai la thune et qu'il me manquera juste ça, je fermerai, je pense. Là, s'il me manque rien... Récente, on dirait. De la voix. Espérons que Satch n'a pas subi le même sort. Il n'est pas, ils disent. Il y a pas mal de petits moyens bateaux. Ça n'annonce rien de bon. Aïe. Garde l'œil ouvert, Abbé. Putain, il va pas me déclarer la guerre, lui. Ça dépasse les bornes. Je devrais pas avoir autant de mal à trouver ces caisses de remèdes. Je pensais pas à ça. Je te parle de la querelle de coq entre Satch et Hornigold. Ils sont devenus fous. Aïe. C'est quoi ça? C'est foutage de gueule. Merde. Mais pourquoi ils s'acharnent? Pourquoi sauver une ville qui vaut rien? On n'est pas fait pour gouverner. On prend, on dépense, on mène la grande vie. On fait ce qu'on veut. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire? Au diable la politique. Ce qu'il faut, c'est de la richesse et du pouvoir. Si on trouve l'observatoire... Mais non, mais il va me défoncer, lui, hein. Peut-être bien. Mais non, mais c'est sérieux, non. Il me tire dessus, non. Je défonce, hein. C'est pour ton équipage que tu navigues? Pour toi? Tiens, ces hommes, allez. Je te jure. Ça, je vous le dis, on va pas l'aborder, ça, j'ai trop la flemme. C'est un quoi, ça? Ouais, tu sais quoi, ça? Putain, mais je vais me faire niquer. Il nous fait éprendre. D'autres voiles! Non! Vous savez quoi, on y va. Au pire, il y a des bateaux. Wow, il nous a mis la fin. Oh oh. C'est quoi ça, un frégate? Il tire une bordée, attention! Ah putain, mais il fait mal. Oh, mais c'est quoi ce vent? Le vent devient mordant, capitaine. Des gars à bord! Tu vas nous faire sombrer! Non, mais what the fuck, le vent? J'appuie tout le temps sur la gauche, voilà. Alors moi je kiffe ce moment où... Mais what the fuck. Au moins ça tourne tout seul, hein. Le vent est de plus en plus fort. La falaise va nous tailler en petit bois. Non, avec le vent c'est bon, on va être redirigé. Oh, ah oui, en fait on voit le vent sur la mini-carte, d'accord. Bon, je pense qu'il faut aller au centre du truc. Bien, capitaine. Ok, c'est peut-être ce bateau qu'on voit là-bas au loin. Il a l'air d'être plutôt gros. Non, c'est un brick. Y'a rien dit. Est-ce que... Waouh, d'accord. Ils sont sympas de localiser un bateau là-dedans.
Bon, c'est parti, on va le chercher. Bon, je vous dis, on arrête après cette mémoire, donc il va durer normalement un quart d'heure, je dirais. Et déjà, on a l'air comme un gros porc. C'est des petits bateaux, on est d'accord. Mais en plus, il doit bouger en même temps, c'est compliqué cette mission, je pense. On est où là? On se dirige. On va faire un cercle vers là. Bon, allez, c'est parti. Ouais, en plus, on peut naviguer vite, c'est plutôt cool. Ouais, ça a l'air d'être un peu. Ça a l'air d'être ça. Il y a un bateau avec un drapeau là. Voilà, vous voyez ça là? Ça a l'air d'être un plutôt gros bateau, j'ai envie de dire. Ah bah là, il y en a un gros aussi. Frégate. Non, c'est pas un frégate, c'est encore plus gros que ça. Ça là, c'est un gros ça. Voilà, je savais. Abbé, regarde là-bas. C'est lui, le Queen Anne's Revenge. Il est en mauvaise posture. Pas le temps de voter. Satch est en danger. L'équipage comprendra. Tout le monde à la manœuvre. On met le cap vers l'enfer. Il fait quoi, lui? Ah d'accord, on doit atteindre. Putain, j'ai pas capté. Je crois qu'on allait se battre pour défendre le truc. Bon, du coup, ça fera un épisode de 40-45 minutes. C'est pas grave. Bon, du moins que ça dépasse pas les 45 minutes. Encore, c'est pas très très long. Putain, mais oui, il prend toute la place, lui, là. Allez, lui, il a écrasé son bateau. Là. Allez, on va y aller en mode YOLO. On lâche la barre. Allez, bouge, bouge, débordé. Je vais à terre. Je reste prêt sur le jackdaw. On va faire un truc que j'ai toujours envie de faire. Voilà. C'est très le swag. Ouais, d'accord. Oh, Seigneur, j'ai besoin d'aide. Edward, s'il vous plaît. Tiens bon, Bonnet. Garde les bras en l'air et le dos à la mer. Les études ne t'avaient pas préparé à ce genre de refus, hein, monsieur Bonnet? Je crois que je vais sortir. Eh bien, ouais, c'est bien toi que les actes ont davantage à nous enseigner que la lecture. T'as réveillé tous les démons de l'enfer, Satch. Au service d'une noble cause. J'espère que tu parles des remèdes. Aïe, il y a un galion pas loin, et si on se dépêche de régler leur compte à ces homards, on pourra le rattraper. La couleur de l'ordure de la mini-carte reflète la situation du mec. Aïe, d'accord. Oh non. Elle est morte. Quoi? En plus, je dois les protéger. Là, il y a déjà, je viens les aider. Ah, faut pas qu'il meure, d'accord. En fait, je pense qu'il faut pas s'écarter, tout simplement. D'accord. Comment ça part en grosse baston? Ah donc de barbe noire. Oh putain, mais il est mauvais là aussi. Non. On va rester à côté de lui. Mais qu'est-ce qui sert à rien, Bonnet, comme une grosse merde. Voilà, c'est ça, on les fait tous au gun au pire. Tac, ça c'est fait. Ça c'est fait. Allez, mais il va pas se prendre ça là. Non, il va pas se prendre la grenade, mais il est mauvais là. Oh là là. Pas voulu que je le défende. Ouais, le gars qui sait pas tirer quoi. Ah oh, dur. Oh putain, il m'a fini grave cher. Putain, mais il est résistant. L'humilité n'est pas ton fort. Hein, Satch? Les légendes ne se nourrissent pas d'indulgence. Ah, putain, mais ils sont pas morts là.
noir est apparu. Attention! Remontons à bord et plus vite que ça! Et comme par hasard, le truc arrive pile poil au moment. Je vais prendre des munitions. Et où mon Jack Do? J'ai besoin d'un homme à la barre. Donne tes ordres! À la grand voile! Et toi sur ce maudit navire! On aura nos remèdes avant la fin du jour! Donc on ne prend pas notre bateau. Oh, il a pas beaucoup de vie leur bateau. Notre bateau il est mieux. Ça c'est le Man of War. Oh putain. D'accord, batte ça. Tiens, tiens, tiens. Boulet explosif, 12 pour l'équipe de mortier 3. C'est pas si simple que ça. Hein. Oh, mais la vie, mais ils sont tarés. Je peux pas le faire. On a même pas de mortier. Et on peut même pas. Il va être... Ouais, je préfère mon bateau. Oh putain, mais il fait trop mal en plus. Qu'est-ce que... Oh là là, mais ça va être impossible. Ah non, et d'accord. Ça, c'est pas très chiqué, je trouve. Heureusement. Non, c'est très le soi. Aïe. Ça risque de faire mal. Allez, pourquoi on peut pas? Mais non, mais faut que je bouge. Allez, non. Et ouais, tu fais trop mal. Regardez ma vie du bateau. Mais non, mais c'est du foutage de gueule. Mais non. Mais les gars, on est... Par là. Ne le perds pas de vue. Oh oh. C'est très la mort. Non, il va foncer vers moi. Non, je suis mort. Aïe, man. Die, man. Oh, je suis mort. Oh, il manquait pas beaucoup de vie. Hein. Non, mais pourquoi il vient vers moi? Oh, putain, la vie qu'il a. C'est mort, s'il tire. Putain, la vie qu'il avait. Oh, je suis deg. C'est au moment là où j'étais tout près. Je bougeais pas, en fait. Faut bouger. Si tu bouges pas, il te défonce. Oh, putain. Ah merde, j'ai pas vu les optionnels. Je vais voir. Sauver les survivants. Oh, c'est mort. Tuez les gardes et tout lit par des bombes fumées. Putain. Oh, c'est tant pis. On fait. C'est plutôt... Ah, je crois que ça va le... Voilà. On a court de poudre, capitaine. Bah, c'est très... Der. On l'a brisé, les gars. Envoyez-les en enfer. Trouve le capitaine et achève-le. Ah, c'est peut-être là qu'il faut les... Et on va peut-être éviter parce qu'il y a un monsieur qui va me tirer dessus.
Putain, ça va pas assez loin. Et je voulais faire quoi? Tuer les gardes étourdis par des bombes fumigènes. Alors, F. Oh, le capitaine, voilà. Merde, il est avec moi en fait. Ok, c'est plutôt bueno. C'est ça le capitaine, je pense. Voilà. Tu n'es pas dans mes habitudes, commandant. Si vous aviez daigné prendre quartier, vous ne seriez pas en train de saigner. Tu vas goûter au mousquet, crevure. On te prendra et tu sécheras au soleil comme ces crapules de Boston. Le roi a offert son pardon. Capitaine, on a fouillé la cale. C'est misérable. Mais les remèdes qu'on a trouvés viennent tous de Charlestown, c'est certain. Merci, monsieur Hans. On ne pourra jamais ravitailler Nassau en comptant sur la force et la chance. Va falloir aller les prendre à Charlestown. Eh oh! Sommes-nous victorieux? Je crains ne pas être bâti pour supporter les rigueurs de la vie d'un gentilhomme de fortune. Retrouve-moi à Charlestown. Dans un mois, jour pour jour. Du coup, j'ai sauvé un survivant. C'est dommage. Bon, du coup, fin de cet épisode. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Allez, salut tout le monde.